Alors, la question budgétaire est une question cruciale. Parce que, il y a quelques années, c'était sous la présidence de Jacques Chirac. C'était une période, Jacques Chirac avec le Premier ministre Jospin, c'était une période finalement de croissance. Et nous avions, le Parlement européen demandait à cette époque-là à ce que le budget de l'Europe puisse augmenter légèrement, 1%. Ça ne représentait pas grand-chose pour chaque État membre, mais c'était pour le Parlement un ballon d'oxygène extraordinaire. Surtout qu'avec l'élargissement, on disait bon, on a besoin d'intervenir plus, il faut partager le camembert en plus de parts, ça veut dire qu'on diminue d'un côté pour pouvoir abonder de l'autre, ça n'est pas toujours la bonne solution. Et donc, on avait demandé cette augmentation. Malheureusement, à l'époque, il y a eu une signature d'une lettre co-signée de 6 États membres, dont l'Allemagne et la France d'ailleurs, pour dire non, pas question, nous refusons tout engagement à augmenter le budget européen. Maintenant que nous sommes dans la période de crise, bien évidemment, nous ne pouvons pas augmenter le budget européen, il est même en diminution. Et c'est grave parce que, si vous voulez, 28 États membres avec nécessité de continuer sur des grands projets d'infrastructures, dans les transports, des grands projets de satellites, Galiléo, etc. Et, vous voyez, il y a la recherche dans tous les domaines. On dit le redressement économique se fera sur l'innovation, sur la recherche. Il faut mettre l'essentiel de nos financements sur ces questions-là. Oui, bien sûr, mais il y a aussi les fonds européens pour permettre à tous ceux qui nous ont rejoints récemment de redresser leur niveau économique. Donc vous voyez là, vraiment, ce qu'il faut. Il faut faire des miracles avec ce budget européen qui est en diminution.